Alors, le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Et les effets secondaires des médicaments sur le système nerveux central peuvent se manifester de différentes façons. Les étourdissements, la somnolence et l'insomnie, la sensation de détachement par rapport à la réalité, la confusion, les maux de tête, les difficultés de concentration, l'anxiété, les rêves étranges, tout ça sont des symptômes possibles des médicaments causés par les médicaments, par un effet sur le système nerveux central. Dans certains cas, des symptômes beaucoup plus graves peuvent se manifester, comme une dépression majeure, une psychose ou des comportements agressifs qui peuvent être induits par les médicaments. Parmi les causes d'effets sur le système nerveux central, il y a certains médicaments antirétroviraux et plus particulièrement le Sustiva ou les Favirenz, qu'on retrouve aussi dans l'atriplan, est un médicament qui est classiquement associé à des effets sur le système nerveux central. L'AZT aussi a été, dans une moindre mesure, associé à certains effets sur le système nerveux central. Les effets sur le système nerveux central peuvent aussi être provoqués par d'autres substances comme l'alcool, le café, la cigarette ou les drogues à usage récréatif. Le VIH peut lui aussi avoir certains effets sur le système nerveux central. Ce sont des effets qu'on voit moins fréquemment maintenant qu'on a des thérapies efficaces. Il faut se souvenir aussi qu'avec l'âge, on peut avoir des manifestations au niveau du système nerveux central, comme une diminution de la mémoire ou de la concentration, qui font un peu partie du vieillissement naturel. Que faire pour contrer les effets secondaires de l'efavirenz sur le système nerveux central, puisque c'est le médicament qui est le plus associé à cette manifestation? Alors, avant de commencer la médication, il faut bien indiquer à son médecin si on a déjà souffert de dépression, d'anxiété, de psychose ou de maladie mentale, parce que cela pourra orienter le choix du médicament qui vous convient le mieux. Il est aussi important de dire à votre médecin si vous consommez des drogues à usage récréatif ou de l'alcool, parce que c'est un autre élément à considérer lorsqu'on prescrit la thérapie antirétrovirale. Lorsque vous commencez le médicament Sustiva ou Efavirenz, il est important de choisir un moment où vous n'avez pas besoin d'être très concentré. Il ne faut pas choisir, par exemple, une période où vous avez beaucoup de travail à faire, où vous avez un examen, parce qu'on sait qu'au début du traitement, l'efavirenz pourra nuire à votre concentration. Il faut éviter, pendant les premiers jours, de faire des tâches compliquées, et c'est souvent recommandé de commencer l'efavirenz une fin de semaine ou pendant un congé pour éviter que les effets secondaires des premiers jours nuisent à vos activités quotidiennes. Pendant que le traitement sous efavirenz, c'est important de persévérer parce que les effets secondaires vont habituellement être présents dans les premiers jours. Mais après 2 à 4 semaines, la plupart des patients n'expérimenteront plus ces effets secondaires. Si vous avez des effets secondaires avec l'efavirenz, c'est important de demander de l'aide, demander à vos amis, à votre famille de vous aider dans vos tâches. Prenez des notes si vous n'arrivez pas à vous concentrer suffisamment pour être fonctionnel et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin de ces effets de façon à voir s'il n'y a pas une façon de les atténuer. On sait que la vitesse d'absorption du médicament va être reliée à l'importance des effets secondaires et au moment où ils vont survenir. Ainsi, on recommande de prendre les Favirenz un peu avant le coucher, de façon à ce que les effets secondaires surviennent durant la nuit et à ce moment-là, ils vont moins affecter les activités quotidiennes. Ils peuvent par contre causer des problèmes de sommeil, comme des cauchemars, des rêves étranges, l'impression de faire des rêves éveillés. Tous ces effets-là peuvent survenir. Le moment de la prise de l'efavirenz est important pour contrôler les effets secondaires. Si le matin, vous avez encore des effets secondaires reliés à l'efavirenz, c'est qu'il reste encore beaucoup de médicaments dans votre sang. À ce moment-là, on peut devancer la prise du médicament le soir, de façon à ce que le lendemain matin, il y ait moins d'effets secondaires. Si vous avez beaucoup de somnolence le matin avec la prise de l'efavirenz, prendre de la caféine peut diminuer la somnolence. Le fait d'éviter de prendre de l'alcool, des drogues récréatives durant la soirée peut aussi aider à diminuer les effets secondaires qui surviennent avec les Favirenz. Si les effets sont trop importants, il est important d'en parler avec son pharmacien ou avec votre médecin,
parce que cela peut résulter d'interactions entre l'efavirenz et d'autres médicaments qui peuvent augmenter l'effet de l'efavirenz sur le système nerveux central. Et à ce moment-là, on peut contrer ces effets-là en gérant mieux les interactions entre les médicaments. Un autre point important, lorsqu'il y a présence importante d'effets secondaires, c'est que votre médecin peut doser le médicament dans votre sang et pourrait, après un dosage du médicament, décider de diminuer la dose de votre médicament. Cependant, ne faites jamais par vous-même une diminution de dose parce que sans supervision de la concentration plasmatique du médicament, il se pourrait que vous nuisiez à l'efficacité du traitement. Maintenant, pour certains effets fréquents avec les médicaments, on peut donner des médicaments pour contrer ces effets-là. Par exemple, pour les maux de tête, on peut donner du Tylenol ou certains anti-inflammatoires comme l'Advil ou le Motrin. Il faut être prudent, par contre, avec les anti-inflammatoires parce qu'il peut y avoir des interactions avec d'autres composantes de votre trithérapie. Si vous présentez les symptômes d'anxiété sévère, de dépression, on peut aussi donner des médicaments contre ces manifestations. Et si vous avez des symptômes qui vous empêchent de faire vos activités quotidiennes, vous pouvez aussi envisager avec votre médecin de changer de traitement pour contrer ces effets secondaires. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil avec l'efavirenz, certains trucs faciles peuvent vous aider à mieux dormir. Par exemple, évitez le café, la nicotine, l'alcool avant de vous coucher. Évitez de vous entraîner avant d'aller vous coucher. Plutôt s'entraîner le matin parce que l'entraînement peut avoir un effet stimulant qui nuit au sommeil. Réservez votre lit seulement pour le sommeil et les activités sexuelles. Évitez de travailler au lit ou de regarder la télévision au lit. Tout ça peut nuire au sommeil. Quand consulter un médecin? Vous devriez consulter votre médecin lorsque les symptômes sur le système nerveux central persistent et qui vous empêchent de vaquer à vos activités quotidiennes. Si vos symptômes s'aggravent durant le traitement, si vous vous sentez très anxieux ou déprimé, ou si vous avez des idées suicidaires, c'est important de consulter le médecin. Aussi, si votre entourage trouve que vous avez un comportement inhabituel, qu'on vous trouve agressif, tout ça, c'est des points importants à rapporter à votre médecin.